C'est 20 millions. 20 millions d'Européens qui vont venir à Milan et on va leur vendre nos produits. La région Rhône-Alpes s'affiche à l'exposition universelle de Milan qui vient d'ouvrir. La Lombardie est depuis longtemps un partenaire privilégié. Lyon est jumelé avec Milan depuis près de 45 ans. Donc c'est une longue histoire d'amour, j'allais dire, entre Milan et Lyon. Mais évidemment, une exposition universelle comme ça est l'occasion pour nous de renforcer les liens en termes de tourisme, puisque c'est les quatrièmes clients qui viennent visiter Lyon et l'agglomération. Si on prend la Fête des Lumières, c'est la première clientèle étrangère pour la visite. Dans un pavillon écolo en bois de 2000 m² inspiré d'un marché, la région vante sa gastronomie et son agriculture. Nourrir la planète, c'est justement le thème de cette exposition universelle. Nous sommes la première région française par le nombre de signes de qualité, le garde-manger de la France, dit Paul Bocuse. La proximité, les circuits courts, et ça c'est en Rhône-Alpes, 35% de la production va sur des circuits courts immédiatement sur les marchés, sur la distribution. Et puis le troisième point, c'est le maintien d'une agriculture qui est une agriculture de taille moyenne, qui fait attention à la fois à ce qu'elle produit et attention au paysage. L'exposition universelle de Milan, c'est jusqu'au 31 octobre.